donc à la crèche des Chérubins pour une petite exposition qui a été conçue par les enfants. Voilà, donc en fait c'est un vernissage. Le but du vernissage étant de présenter toutes les techniques de peinture qui ont été utilisées de façon à faire des chefs-d'œuvre qui seront offerts aux parents par la suite. C'est quelque part aussi une façon de fêter les parents, puisqu'on n'avait rien fait ni pour la fête des mères ni pour la fête des pères, mais on souhaitait qu'ils partent avec quelque chose. Il y a des peintures plus élaborées pour les plus grands qui ont été faites plus avec des formes géométriques. Et après, plus l'enfant grandit, plus on peut se permettre d'essayer d'autres techniques. Et bien évidemment, pour un tout petit, à part les mains et le pinceau, on n'a pas été plus loin parce que c'est déjà pas évident en matière de concentration. Certains petits ont des fois fouet, 3-4 fois pour faire la toile parce que le temps de concentration est très, très rapide, très, très court. Quoi, à la crèche, on pense déjà à l'éveil de l'enfant? Bien sûr, et puis l'éveil de l'enfant, c'est par les cinq sens. C'est pas seulement le toucher, mais c'est aussi la vue des couleurs. Ils ont choisi leurs couleurs. Et du coup, tout ça, c'était l'éveil. C'était un éveil des cinq sens. Et ça fait partie quand même des priorités des crèches. Il y a eu un gros investissement de l'équipe éducative. Il faut savoir que principalement les toiles des grands ont été faites par Paula, qui est auxiliaire de puériculture, Émilie, qui est auxiliaire de puériculture, Annabelle, qui est CAP petite enfance et qui fait principalement la cuisine et tout, mais qui avec les enfants, l'échange, tout ça, et qui a fait des peintures, entre autres les peintures sans contact avec Annabelle, et Maryse, bien sûr, éducatrice de jeunes enfants. En ce qui me concerne, c'était plus avec les bébés. Voilà, voilà.